the next point, we should ensure whatever we see is clear. That means work is being done. We can see that it is in opposite direction. Chers à pronom aimable, il me plaît beaucoup de vous souhaiter le bienvenu à cet apprentissage électronique organisé par le ministère d'Éducation de l'État de Kaduna. Comme d'habitude, je suis là pour vous enseigner le français aujourd'hui. Je m'appelle toujours M. Wole Agboluadjé. Et le sujet que nous allons discuter aujourd'hui est la francophonie. La francophonie. Ah bon? Comme notre introduction. Quand on parle de la francophonie, ça veut dire quoi? Il y en a beaucoup d'étudiants qui font des erreurs. On différencie la francophonie de la francophone. Il y en a une grande différence. Et aujourd'hui, situe à la fin de cet apprentissage, bien de cet enseignant, vous allez comprendre la différence entre les deux. Bon, quand on parle de la francophonie, ça veut dire quoi? Qu'en s'agit-il la francophonie? La francophonie est une organisation qui regroupe tous les pays qui parlent le français, c'est-à-dire l'ensemble des peuples qui parlent le français. Les peuples, l'ensemble, la connectivité des peuples qui utilisent la langue française comme leur moyen de communication. Les peuples ou bien des pays qui ont la langue française comme leur langue maternelle ou bien langue officielle. Bon. La connectivité des gens là, ou bien des pays là, s'agir ou bien sur une parapluie. Et la parapluie là, c'est une organisation. Et l'organisation là s'appelle la francophonie. Chers apprenants, comme je vous ai dit, la majorité des étudiants aujourd'hui se confusent de la différence entre la francophonie et la francophone. Mais je vous assure que à la fin de cet enseignement, la confusion serait disparue. Bon, quand on parle de la francophonie, on parle de l'organisation qui regroupe tous les gens ou bien tous les peuples et tous les pays qui parlent la langue française comme leur langue maternelle ou bien langue officielle. Et la francophone est comme un adjectif qui qualifie un pays qui parle la langue française comme sa langue maternelle ou bien sa langue officielle. Par exemple, la France est un pays francophone. Pourquoi? Parce qu'il parle la langue française comme sa langue maternelle et sa langue officielle. Tandis que un pays comme le Mali ou bien le Togo parle la langue française comme sa langue officielle. Néanmoins, les deux font partie des pays francophones.
So il paraît que c'est-à-dire que la francophonie est une organisation qui se concerne des activités et des affaires des pays francophones. Voyez? Et ce sont des différences entre les deux. Et les pays francophones qui s'agit sur la parapluie de la francophonie, qui est leur organisation, se trouve dans tous les continents qui constituent le monde entier. C'est-à-dire, il y a les pays francophones dans le continent africain. Il y en a les pays francophones aussi dans le continent européen. Aussi, les pays francophones se trouvent dans le continent américain et aussi dans le continent asiatique, c'est-à-dire aussi le continent océanique. Vous voyez que les pays francophones dont on parle se trouvent dans tous les continents qui constituent le monde entier. Bon, maintenant, nous allons voir les pays francophones l'un après l'autre par rapport les continents où on peut les trouver. Par exemple, voyons les pays francophones qui se trouvent dans notre continent ici, c'est-à-dire le continent africain. Par exemple, nous avons le Congo et leur capitale quand même, le Congo, sa capitale est Brazzaville. L'Algérie, sa capitale c'est Algérie. Le Burkina Faso, sa capitale est Ouagadougou. Nous avons aussi le Djibouti, et sa capitale est Bougite. Nous avons le Mali, Bamako, comme la capitale, le Gabon, Libreville, comme la capitale, l'île Maurice, et nous avons aussi Port-Louis, comme la capitale, le Niger, nous avons Niamey, comme sa capitale, le Bénin, nous avons Porto-Novo comme sa capitale. Et aussi, nous avons le Sénégal, qui est aussi un pays francophone dans le continent africain ici. Et nous avons Dakar comme sa capitale. Nous avons aussi le Tchad. Et nous avons N'Djamena comme sa capitale. Le Cameroun fait partie quand même. Et sa capitale, c'est Yaoundé. Nous avons aussi la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire. Et sa capitale actuelle, c'est Yamoussoukro. Sa capitale n'est plus Abidjan. Il faut faire attention là-bas. On a changé la capitale administrative de la Côte d'Ivoire. Et c'est maintenant Yamoussoukro. Nous avons aussi le Madagascar. Le Madagascar, et sa capitale est Antananarivo. Nous avons aussi les Comores, et sa capitale c'est Moroni. Nous avons la République centrafricaine, et sa capitale c'est Bangui. Et aussi la République du Congo fait partie de
des pays africains et des pays francophones en africains ici, et sa capitale, c'est Kinshasa. Nous avons aussi le Maroc, et sa capitale, c'est Rabat. Nous avons aussi les Mayotte, et sa capitale, c'est Mamoudzou. Nous avons aussi le Rwanda, et la capitale, c'est Kigali. Nous avons aussi la Guinée, sa capitale est Conakry. La Mauritanie, sa capitale, c'est Nouakchott. Nous avons aussi Sao Tome et Principe. Et la capitale, c'est Sao Tome. Nous avons aussi les Seychelles, et sa capitale, c'est Victoria. Nous avons aussi la République de l'île de Cap-Vert, la République des îles de Cap-Vert, et la capitale, c'est Pryor. Nous avons aussi le Burundi, et la capitale est Bujumbura. Nous avons aussi l'Égypte, et la capitale, c'est Caire. Nous avons aussi le Togo, et sa capitale est Lomé. Ce sont des pays francophones dans le continent africain. Maintenant, nous progressons au continent européen. Le continent européen. Quels sont des pays francophones qu'on peut se trouver là-bas? Bon, nous avons, par exemple, nous avons la France. La France fait partie des pays francophones dans le continent européen et sa capitale est Paris. Nous avons aussi la Belgique et sa capitale c'est Bruxelles. Nous avons aussi le Luxembourg et sa capitale est aussi Luxembourg. Nous avons aussi l'île Monaco et sa capitale est Monaco. Et aussi la Suisse et sa capitale est Berne. Ce sont des pays francophones qui se trouvent dans le continent européen. Maintenant, voyons les pays francophones qu'on peut trouver dans le continent asiatique. Bon, nous avons, par exemple, nous avons le Cambodge et sa capitale, c'est Phnom Penh. Nous avons aussi le Laos, et sa capitale, c'est Vientiane. Nous avons aussi le Liban, et la capitale, c'est Beyrouth. Et nous avons aussi le Vietnam, et sa capitale est Hanoi. Ça, c'est la capitale. Bon, maintenant, voyons des pays francophones qui se trouve dans le continent américain. Comme je vous ai dit que ces pays francophones se trouvent dans chaque continent qui se constitue du monde entier. Bon, nous avons aussi dans le continent américain, voyons-les, nous avons le Canada, et sa capitale est Ottawa. Nous avons aussi la République dominicaine. La République dominicaine. Et sa capitale, c'est Dominique. Nous avons aussi la Guadeloupe. Et la capitale de la Guadeloupe, c'est Basse-Terre. Nous avons aussi la Guyane. Et sa capitale est Guyane. Nous avons aussi la Martinique. Et sa capitale est Fort-de-France. Nous avons aussi la Haïti. Et sa capitale, c'est Port-au-Prince. Et nous avons aussi la Sainte-Lucie. Et sa capitale est Castries. Bon, progressons encore
au continent océanique. Le continent océanique. Et nous allons voir des pays francophones qui se trouvent, qui sont disponibles dans ce continent, le continent océanique. Nous avons, par exemple, nous avons la Nouvelle-Calédonie et sa capitale est Nouméa. Nous avons aussi la Polynésie française, la Polynésie française. Et la capitale de la Polynésie française est Papeete. Et nous avons aussi Vanuatu. Et sa capitale est Port Vila. Et la troisième pays francophone qui se trouve dans le continent océanique, c'est Wallis et Futuna. Et sa capitale est Mata-Utu. Mata-Utu est la capitale. Bon, voilà les pays francophones qui s'assemblent et qui forment une organisation qu'on appelle la francophonie. La francophonie, c'est-à-dire ce sont la connectivité des pays francophones qui forment ce qu'on appelle la francophonie. C'est-à-dire que les pays francophones sont des mères, mais accoucher la francophonie. Mais la francophonie est l'organisation qui guide et qui se concerne des activités et des affaires des pays francophones. Bon, comme notre conclusion pour cet enseignement, je vais vous donner le premier président de la francophonie. Parce que la francophonie est établie il y a quelques ans d'ici. Mais le premier président a été élu en 1997. 1997. Bon, Il s'appelait, c'est-à-dire le nom du premier président de la francophonie était Monsieur le docteur Boutro-Boutro-Ghali. Et comme je vous ai dit, Ghali a été élu comme le président, le premier président, en 1997. Bon, le président actuel, c'est-à-dire le président aujourd'hui de la francophonie, le président actuel de la francophonie est Madame Louise Mushikiwabo. Madame Louise Mushikiwabo. Et on a élu comme le président le 3 janvier, le 3 janvier 2019. Le 3 janvier 2019. C'est-à-dire, on a élu Madame Louise Mushikiwabo comme le président actuel de la francophonie. Dear students, what we have been saying or what we are teaching you today is what we call la francophonie. La francophonie.
La francophonie is one of the important topics in French language and is part of our culture et civilisation. And we are saying that majority of the students are confusing as per the difference between la francophonie et la francophone. And then we say that la francophone is like an adjective that is qualifying a country that is using French language as their language of official language of communication or as their mother tongue. And I cited an example like France, that France is one of the pays francophone, because they have French language as their mother tongue and as their official language of communication. And I cited the example of Mali or Togo as well, that Mali or Togo also, that they are part of a pays francophone. Why? Because they are making use of French language as their official language. As we are making use of English language in Nigeria as our official language, their own is a French language. So any country or any people that are using French language as either their mother tongue or their official language, such a country is called pays francophone. And then the togetherness of all these countries, the collectivity of these countries is given a name, and the name is La Francophonie. And this Francophonie now is now an organization that is taking care of the affairs and the activities of all the pays francophones. It's the organization that is taking care of the togetherness and the activities and the affairs of pays francophones. That's what we are saying. And we say that this pays francophone, that is country that are speaking French language, can be found in all the continents that constitute the world, the entire world. You know, we have the continents make a world and make this world where we are. So you can find them in African continent. We have them. You have been given the examples like Lo Togo, like Lo Mali, like Lo Senegal. Then we have them in the American continent of America, and we gave you examples. We have Lo Canada, we have La Guyane, we have La Martinique. We have them in the continent of Europe as well. Continent of Europe, for example, we have La France is there, we have La Belgique is there, and we have La Suisse is also there. For example, we have them also in the Asia continent. For example, we have La Gamboge, we have La Laos, we have La Liban. And also we have them in the continent of Pacific or Oceanic continent. For example, we have La Nouvelle-Calédonie, we have Vanuatu, and so on and so forth like that. So these are the major differences between La Francophonie and La Francophone. And you have made to know the examples of the pays francophones. What are the examples? You have known them as they are according to their continents. Bon, ici, nous allons arrêter pour notre discussion pour aujourd'hui. C'est-à-dire, c'est la fin de cette leçon. Mais avant de partir, il me plaît de vous donner le devoir pour que vous étudiez bien et pour que vous ayez la connaissance profonde de ce que nous avons déjà abordé aujourd'hui. Numéro 1, définissez la francophonie. Définissez la francophonie. Numéro 2, expliquez la différence entre la francophonie et un pays francophone. Numéro 2, expliquez la différence entre la francophonie et un pays francophone. Numéro 3, mentionnez 5
pays francophone d'Afrique, c'est-à-dire mentionner 5 parmi les pays francophones dans le continent africain, comme vous avez déjà appris. Et numéro 4, pourquoi la Belgique est un pays francophone? Pourquoi la Belgique est un pays francophone? Vous allez expliquer pourquoi. Et numéro 5, qui est la dernière question de notre devoir pour aujourd'hui, c'est pourquoi le Nigeria ne fait pas partie des pays francophones? Pourquoi le Nigeria ne fait pas partie des pays francophones? Vous allez expliquer. Bon, mes apprenants aimables, voilà la fin de notre discussion aujourd'hui. Si vous avez des questions à me poser ou bien vous avez des commentaires, et pour soumettre vos devoirs, il faut me contacter à travers mes numéros portables. C'est 070-34-90-85-63. Je me répète, 070-34-90-85-63. Merci pour votre attention. Au revoir, à la prochaine.